C'est un match qui peut être très intéressant. Thomas, bonsoir. Nous n'attendons que le coup de sifflet de l'arbitre pour que cette rencontre puisse commencer. Il tente d'occuper le terrain adverse avec ce ballon long. Kera pour récupérer ce ballon. La progression d'Ager, stoppée par la défense. C'est jouable. Ça vient au soutien avec... Nel. Un ballon qui devrait sortir. Il va chercher à gagner du terrain avec un coup de pied. Il est arrêté. Ouh là là, un peu haut quand même. Il n'est probablement pas content d'avoir pris ce carton jaune, mais c'est mérité, 10 minutes sur le banc. Ils vont contester ce ballon. Ballon passé côté droit pour Jam. Mauvaise passe. Un beau décalage sur le côté. Tavares, Black, Nel. Faut du soutien pour le contest. Il fait circuler le ballon. Il fait un point de fixation. Un ruck à disputer. Passe à la main sur le côté gauche. Dagen. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Tentative de plaquage. Et le voilà. Le premier essai de ce match. Alors voyons comment cette transformation va être ajustée par McIntyre. Et ça rentre! McIntyre à la réception. McIntyre qui donne à Cedaro. Transmission de la balle. Il fait une passe. Felipe passe à Medji. Il accélère le long de la touche. Bien plaqué. Il faut venir vite déblayer ce ballon. Kera fait circuler le ballon. Il a de l'espace sur le côté pour Jam. Magnifique plaquage. Et le ballon est dans les bras du demi de mêlée. Faut aller au large.
plaquage dont vous avez besoin. Et il aplatit le ballon dans l'embut. Pour transformer l'essai, place au botteur McIntyre. Allez, c'est transformé. 14-0. Ballon capté. Fouissac transmet à avantage. Il cafouille le ballon. Un geste malheureux de Jam. Ce sera donc la première mêlée de la partie. Voyons comment ils vont la négocier. Flexion. La mêlée va avoir lieu dans les 40 mètres d'Agen. Le ballon est introduit dans cette mêlée. Et c'est bien joué de la part d'Agen qui parvient à repousser le pack adverse et à gagner ce ballon. Quel effort des avants pour venir récupérer ce ballon sur la mêlée. Kera qui joue ce ballon à droite vers Fouissac. Kera qui libère sur la gauche. Libération après contact pour... Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Bonne défense. Ref pour Agen. Kera qui joue à droite avec Jam. Bon plaquage. Et voilà le troisième essai. C'est maintenant à la troisième minute de jeu. Transformation à suivre. McIntyre, ça passe. Deux points de plus pour son équipe. Ballon bien capté. Plaquage réussi. Ballon dans les mains du demi de mêlée. Kera. La passe. Un plaquage qui ne donne rien. Bien plaqué. Ça décide de jouer côté gauche. Vaca passe son ballon. Plaquage trop mou pour arrêter Felipe Ono.
C'est un plaquage. Agère à l'origine de ce ruck. C'est correctement libéré à droite. Tentative de plaquage ratée. Attention, ça va être un ruck. Lancement de la ligne offensive, côté gauche. McIntyre qui joue avec Salawa. C'est un ruck pour Agir. Kera pour libérer sur sa droite. Passe. Vakar, servi à l'extérieur. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. C'est libéré côté gauche. Il faut venir au soutien. Il la joue à la droite, vers la gauche. Ballon sorti en touche par Nel. Nous allons donc revenir à cette touche à 7 d'Agen à la 5e minute. Ils vont donc conserver ce ballon. Mal constitué. Kera à droite vers Jam. Il transmet son ballon. Il passe le ballon. La passe après contact. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Libération côté gauche. Kera trouve McIntyre. Et c'est... Et nous allons retrouver à la transformation McIntyre. Transformation. Il est dessous, impeccable. Kera, le ballon est transmis. Il y a du soutien, avec le ballon bien au chaud dans ce monde. Le ballon sécurisé par Ryan. Libération à droite vers Jam. Ça va être un contest. Kera distribue le jeu côté gauche. Le jeu de passe. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Edge qui se fait plaquer. À droite, Kera cherche Jam et le maul d'Agen. La passe sur la droite dans les bras de Fouissac. Faut aller au large. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Décalé sur la gauche dans les bras de Philippe Ono. Il est passé et c'est un essai.
Cinquième tentative de coup de pied pour le botteur McIntyre. C'est donc un ballon entre les poteaux. Vaca qui récupère ce ballon. Plaquage manqué. Fouissac qui s'en sort. Coleman rate son plaquage. Ballon libéré correctement sur la gauche. Passe la balle pendant le plaquage. Il passe la balle. La balle circule bien. La belle course de Nicolas. Vaca plaqué. Ballon passé à la main côté droit d'Age. Libération du ballon sur la droite. Jam. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Quel essai! McIntyre, le botteur, va tenter de transformer cet essai. McIntyre, toujours aussi précis. Qui va chercher les deux points. Il passe le ballon. Passe mal ajustée de Ryan. Et le ballon va sortir en touche. Les deux équipes bien en place pour cette touche à 7. Ballon conservé sur cette touche. Oh, le plaquage de Jam. Et c'est une touche pour Agen. Apparemment, c'est décidé. Ce sera une touche à 7. Pour pouvoir travailler sur cette touche bien construite. Et le ballon va sortir en touche. Ce sera donc un alignement de 7 joueurs sur cette touche. Ils ont toujours la possession après cette... Volée formée, il faut avancer. Du renfort sur ce maul avec Philippe Ono. Allez, un de plus dans ce maul. Ça vient ajouter de la puissance dans ce maul. Dans ce maul, le soutien qui arrive de la part de Cedaro. Belle défense collective qui stoppe l'avancée. Et c'est un rock. Libération côté droit. Keira avec Fouissac. Fait circuler le ballon. Il accélère le long de la touche. Un ruck annoncé par l'arbitre. Libération côté gauche pour Cedaro. Fouissac face à Bosch.
Il transmet son ballon. Un beau décalage sur le côté. Et oui, il s'est laissé. McIntyre pour transformer l'essai. Oui, impeccable, impeccable. 49-0. Et ça finit dans ses bras. La balle circule bien. Aucun test pour ce ballon. Il passe le ballon à la mort vers la droite. Plaquage manqué. Plaquage trop mou pour arrêter Vaca. C'est une belle relance qui déchire le rideau défensif avec Nicolas. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Passe le ballon à gauche pour Félix Bono. C'est un rush. La passe à droite pour Cédaro. Le jeu de passe. Ballon libéré malgré le plat. Ryan, il y a un décalage. Il va contester ce ballon. Kera pour une passe côté gauche. Il va assurer 5 points minimum grâce à cet essai. Huitième tentative de transformation dans ce match avec McIntyre. Impeccablement entre les poteaux. Capté par Tolo. Il est parti comme une fusée à travers la défense. Attention, ça va être un ruck. Transmission de la balle. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage. Ce sera donc une touche pour l'équipe d'Agen.
touche à 7 joueurs pour Agen. Il garde la possession du ballon sur ce lancer. Il faut venir au soutien. Bien défendu de la part de Berger. Passe côté gauche pour Philippe Onou. Il fait une passe. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Kera joue à la main sur sa droite. Bosch mis au sol. Kera à gauche pour Isaac. Beaucoup de soutien. Kera a envoyé ce ballon sur la droite. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Kera a bien joué ce ballon côté gauche. Au contest pour ce ballon. Kera va passer le ballon vers sa droite. Tentative de plaquage. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Kera va jouer à la main sur sa gauche. Ça va se consommer au point de rencontre. Ça décide de jouer côté droit. Ryan transmet à Vaca. Le contest en puissance de Nel. Kera envoie ce ballon à gauche vers Philippe Onou. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Lancement du jeu sur la droite. Passe après contact pour Vaca. La passe. La passe au contact pour Salawa. Un plaquage qui ne donne rien. Rien pour Ager. Kera va jouer à la main sur sa gauche. Ah, j'ai une faute, mais on va jouer l'avantage. Il a joué à la main vers la gauche. Passe. L'avantage Mettre est terminé. Avec Ryan. Quelle défense de Berger. Libération à droite vers McIntyre. Un rock annoncé par l'arbitre. Kera a bien joué ce ballon côté gauche. Il est mis au sol, il va falloir libérer. À droite, Kera cherche Fuissac. Philippe Onou, tentative de plaquage ratée. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. C'est libéré côté gauche. Plaquage manqué. Jam transmet à son coéquipier. Ryan la passe. C'est un rug. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Kera qui donne à Vaca. Il passe la balle. Et c'est un rug. Kera distribue le jeu côté gauche. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Kera qui libère ce ballon côté droit. Vaca parvient à libérer la balle malgré le plaquage de Vaca. Attention au coup de pied de pression. Qui est plaqué. Un joueur de plus dans le rug. Ballon libéré correctement sur la gauche. C'est un plaquage. Libération du ballon sur la gauche. Plaquage manqué. La tentative de plaquage de Nel qui ne donne rien. Un beau décalage sur le côté. Arrête en contest.
Ça décide de jouer côté gauche. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Il crée un point de fixation. Ça décide de jouer côté droit. Et il parvient à libérer malgré le contact. Plaquage manqué. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Et le voilà. Le voilà, le 9e essai d'Agen. La transformation à suivre de McIntyre. McIntyre. Ouais, il s'est bien négocié. 63 à 0. Fouissac qui gagne ce contest aérien. Passe mal ajustée. Quelle défense de Cédaro. Lancement de la ligne offensive côté gauche. Ryan pris au contact qui libère pour Nicolas. Le ballon est transmis. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Pour Trajan. Kera qui joue à droite avec Bosch. Fouissac fait circuler le ballon. Plaquage trop mou pour arrêter. Faut aller au large. La défense est à la rue, il y a un trou. Et le voilà. Le voilà, le. C'est le 10e essai d'Agen. Et ce sera donc la tentative de transformation de la part de McIntyre. Ça passe! Plaquage réussi. McIntyre qui vient dans ce ruck pour batailler. Ça sera donc un jeu au pied de dégagement de Kera par-dessus la ligne adverse. Elle est dispo. Il vient libérer ce ballon maintenant. Bien plaqué. Et c'est un ruck. Ballon passé côté droit pour Jam. Il y avait un trou dans la défense, il l'a pris.
Coleman à la transformation. C'est dedans. Il a été bon sur ce coup de pied placé. Réception propre du ballon. Et on va donc assister à une touche d'Agen. Nous allons maintenant assister à une remise en jeu avec 7 joueurs dans l'alignement. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Bonne défense. On reviendra. Il était en position de hors-jeu. Les deux packs se mettent en position pour une mêlée. Flexion. Mêlée à jouer au centre. Je rappelle le score 70-7. Introduction. Et ballon récupéré par Dagen. Kera qui joue ce ballon à droite vers Fouissac. Attention, danger là sur l'extérieur avec l'échappée de Fouissac. Il est arrêté. Côté gauche, Kera avec Philippe Ono. Il accélère le long de la touche. Et le voilà. Le voilà, le 11e essai d'Agen. Et voyons maintenant cette transformation. Oui, 77-7. Quelle précision de la part du buteur. Récupération de Tolo. Passe manquée. Et le ballon va sortir en touche. Les deux équipes se mettent en place sur cette touche à 5. Formé en maul, un bon groupé pénétrant qui met à mal la défense d'Agen. Les joueurs d'Agen tentent de repousser le pack adverse. Hum.
Libération côté droit. Kera avec Jam. Magnifique plaquage. Ballon passé à la main côté droit d'Agen. Jam servi à l'extérieur. Passe à la main sur le côté gauche d'Agen. Transmission de la balle. Il fait une passe. Il peut venir au soutien. Libération côté gauche. Kera trouve Ryan. Kera qui décide de jouer côté gauche avec McIntyre. C'est un ball initié par l'équipe. L'arbitre décide de laisser l'avantage pour le ballon est transmis. La balle circule bien. Tentative de plaquage. La belle course de Nicolas. C'est le plaquage dont vous avez besoin pour ne pas prendre l'eau. Kera pour une passe côté gauche. C'est Daro qui vient au soutien. Kera à gauche pour Fouissac. Fouissac. Oui, magnifique. Et c'est signé Fouissac. McIntyre à la tentative de transformation. Et il trouve le chemin des perches. 84 pour l'équipe d'Agen. Vaca qui capte ce ballon aérien. Vaca, c'est un rut. Kera envoie ce ballon à gauche vers Felipono. Au plaquage. La passe à droite pour McIntyre. Passe. Libère son ballon après le contact. Jam, la course à l'extérieur. Il fait un point de fixation. Elle est dispo. Ils ont un avantage sur cette action. Il faut du soutien sur ce maul. Ryan, à l'origine de ce maul avec le soutien de ses partenaires d'Agen. Fin de l'avantage. Qui est dans la boîte. En conteste. Passe côté gauche pour McIntyre. Il accélère le long de la touche. Un rec annoncé par ballon dispo. La passe sur la droite dans le bras de Jam. Bien défendu de la part de Burger. Gauche. Fait plaquer par ballon dispo. C'est libéré côté gauche. Tentative de plaquage ratée. Beaucoup de soutien. À grand coup d'épaule, la rentrée dans le ruck de Zedaro. Kera distribue le jeu côté gauche. Au contraire, avantage en cours pour il passe le ballon à la main vers la droite. L'avantage est terminé. Bosch qui s'échappe sur le côté.
Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Kera, il passe le ballon. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Kera a envoyé ce ballon sur la droite. Faut aller au large. Et c'est mérité pour Mehdi. Allez, il y a 2 points de plus à prendre sur cette transformation. Je rappelle, 89 à 7 pour le moment entre les deux équipes. Le ballon est parti un petit peu trop sur la droite. Il tente la percée. Il est au sol, il va falloir libérer. Ballon libéré correctement sur la gauche. Mauvaise passe qui n'atteint pas son destinataire. McIntyre, peut-être de l'espace au large. McIntyre se fait plaquer. Ballon dispo pour libérer ce ballon. Jam passe à Ryan. Bosch passe son ballon. Plaquage manqué. Rec pour Agen. Kera qui vient poser la joue. Laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. La passe manquée. Pas d'avantage, on Kera. Fait circuler le ballon. Ryan transmet à Salawa. Ballon dispo. Libérer le ballon. Passe côté gauche pour Bosch. Ah, la passe ratée. Un plaquage qui ne donne rien. Ils vont contester ce ballon. Ballon dispo. Qui a du mal à sortir pour Kera. La passe. Salawa mis au sol. Elle est dispo. Attends, avantage annoncé par l'arbitre. Pas d'avantage, on revient à la faute. Les deux packs se mettent en place pour une mêlée. Flexion. Mêlée à jouer dans la moitié de terrain d'Agen. Jeu. Lancement du jeu sur la droite. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Il sac rattrapé ballon par dispo. Nel. Il fallait l'arrêter, il a fait le travail pour revenir. Il transmet son ballon. Agen à l'origine du sur. C'est correctement libéré à droite. Plaquage manqué.
sur l'extérieur pour Fouissac. Fouissac qui s'arrache pour planter cet essai. On va suivre le coup de pied de transformation. McIntyre. Ouais, ça passe à droite. C'est un ballon impeccablement capté par Cédaro. Cédaro qui se fait plaquer. Libération, Kera. Il passe la balle. Plaquage manqué. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Edge plaqué. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Le plaquage de Coleman. Et il ne parvient pas à arrêter le porteur du ballon. Ballon dispo. Toujours un avantage. Ryan qui donne à Vaca. Proche. Il joue avec Felipe Ono. Une petite en molle qui est annoncé. Kera à droite. Avantage terminé. Jam. Au plaquage. Un bon décalage sur le côté. Plaquage décisif. Il était primordial de le stopper et c'est mérité pour Salawa. La transformation maintenant pour 2 points de plus. McIntyre qui frappe, mais ça passe à gauche des poteaux. Tolo. Qui gagne ce contest aérien. Tentative de plaquage raté. Attention, ça va être un ruck. Kera réorganise sa ligne avant de libérer. Kera transmet à son coéquipier. Il est arrêté. Un joueur de plus. Allons dans le ruck. Il la joue à la main, vers la gauche. Bonne défense. Berger qui vient dans ce ruck pour battre. On est sur l'avantage sur cette action. Les deux packs sont en place. On va pouvoir bientôt introduire sur cette nouvelle mêlée. Flexion. Jeu.
Kera pour libérer sur sa droite. Stoppé. On dirait que l'avancée. Plaquage trop mou pour arrêter Fouissac. Un plaquage qui ne donne rien. C'est le plaquage dont vous avez besoin pour ne pas prendre l'eau. L'arbitre décide de laisser l'avantage. Il prend le coup. Et le voilà. Le voilà, le 16e essai d'Agen. McIntyre avec un coup de pied qui peut aller chercher les deux points de la transformation. McIntyre, c'est entre les perches, 100-7 en faveur d'Agen. Ballon capté. Bien plaqué. C'est un retour Agen. Elle est dispo. Kera va passer le ballon vers sa droite. Au contest pour ce ballon. Il faut du soutien pour le contest. Ballon dispo. On n'attend plus que la sortie du ballon. Le jeu de passe. Nel rattrapé par Cedaro. Il fallait l'arrêter, il elle a fait dispo. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Il fait un point de fixation. Ballon dispo. Et c'est passé entre les poteaux. Ballon bien capté. Fouissac, Salawa, mis au sol par Berger. Vaca, face à Philippe Onou. C'est un plaquage. Il peut venir au soutien. Ballon dispo. Tolo fait circuler le ballon. Tolo, ballon qui monte très haut dans le ciel. Et ça finit dans ses bras. Magnifique plaquage. C'est Daro qui vient au soutien. Ballon dispo. Lancement de la ligne offensive, côté gauche. Ça va elle se consommer au point de rencontre. Il transmet son ballon. Ballon trouvé, la touche. McIntyre mis au sol. Berger qui sort victorieux. Le mollet formé et devrait avancer. Du soutien pour ce ballon porté. Ça décide de jouer côté gauche. Ça va être un contest. Ballon Philippe Onou
qui vient poser la main sur ce ballon. Tentative de plaquage. Vaca. Il y a un décalage. Coleman. Plaque. Vaca. Ballon dispo. Ryan qui part avec la balle. Bien plaqué. Le jeu au pied récupéré. Agir à l'origine de ce rug. Il passe le ballon à gauche pour Mehdi. Ballon Vaca, il va récupérer ce ballon en sortie de rug. Kera qui s'en sort. Plaqué. Il s'échappe. Il a su bien profiter de l'intervalle. Rubio envoie ce ballon à gauche. Vert. Ça peut aller au bout. Et il aplatit le ballon dans l'embut. Et le moteur qui se met en place pour tenter de marquer deux points supplémentaires. Et c'est passé entre les perches. Kera pour récupérer ce ballon. Ballon dispo. Philippe Ono joue à la main sur sa droite. Dio qui parvient à libérer malgré le plaquage. La belle course de Jam. Le ballon va être libéré par Kera. Et c'est un ruck. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Plaquage manqué. Magnifique plaquage de Berger. Il part avec le ballon. Il met tout le rideau défensif dans le vent. Elle est dispo. Plus que la sortie du ballon. Ballon pris par gauche. Ballon dispo. Réorganise sa ligne avant de libérer. Plaquage réussi. Le contest en puissance de Coleman. Transmission de la balle. Bien plaqué par Fouissac. Un ruck à disputer. Ballon Samir, il faut libérer ce ballon. Magnifique plaquage. Il faut venir libérer ce ballon maintenant. Bien plaqué. Il va contester ce ballon. Ballon dispo. Côté gauche, Rubio avec McIntyre. Elle est qui a du mal à sortir pour l'arbitre laisse jouer. Avantage terminé. Passe la balle. Le jeu de passe. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Elle est dispo. Nel, la passe. Un ruck annoncé par l'arbitre. Ballon dispo. Avantage annoncé par l'arbitre. Réception propre du ballon. Plaquage de Kera. Elle est libération. Philippe Ono. La balle circule bien. Il a pris l'intervalle. Il y va tout seul. Ballon le ballon, le libérer pour Kera. Il passe le ballon. Passe médiocre de Medj. Il va falloir qu'il fasse attention. Ah, c'est un ballon qui va sortir de l'embut. Et les avants se préparent pour cette nouvelle mêlée. Flexion. Il va falloir être très attentif sur cette mêlée.
Il est à quelques mètres de l'embut d'Agen. L'équipe d'Agen va pouvoir récupérer le ballon sur cette mêlée. Ballon jouable pour le demi de mêlée. Un plaquage qui ne donne rien. Il est dessous, impeccable. Tentative de plaquage. Plaquage manqué. Beau plaquage. Avantage en cours pour. Ballon dispo. Kera a bien joué ce ballon côté gauche. Ledge plaqué. Oh, ce gros tempo. Il l'a définitivement plaqué trop haut. Oui, la faute est là. C'est carton jaune. On va jouer cette mêlée pour Agen avec toujours une nette domination d'Agen sur cette phase de jeu. Les mêlées sont clairement à leur avantage. La force de leur pack est évidente. À l'introduction pour cette mêlée. Jeu. C'est correctement libéré à droite. Bonne défense. Faut venir vite déblayer ce ballon. Passe à la main sur le côté gauche d'Agen. Elle est Nipono, il prend son temps pour cette libération. L'arbitre signale un premier arrêt. Plaquage réussi. Attention, ça va être un rush. Elle est libérer ce ballon. Kera. C'est un plaquage. Elle est dispo. Pour libérer ce ballon. Fouissac. Transmet à Mac. Il a vu l'intervalle. Ballon dispo. Il devrait sortir. Il tente de la jouer. Il a de l'espace sur le côté pour. C'est là où. C'est un rush pour. Ballon dispo. Il va la jouer. Bien plaqué. Ballon dispo. Kera fait faute, mais on va jouer l'avantage. Kera attend que ce ballon sorte du rug. L'avantage est terminé. McIntyre, peut-être de l'espace au large. Quelle superbe défense de Coleman. Il s'en est fallu de peu. Passe manquée. Roche qui passe son ballon alors qu'il est... Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Et le voilà. Le 18e essai de ce match. Alors voyons comment cette transformation va être ajustée par McIntyre. Et il enquille. C'est un ballon impeccablement capté par Cédaro. Cédaro qui déchire le rideau adverse. Cédaro, bien pris. Elle est dispo. Kera. Kera décide de jouer côté gauche avec Fuissac. Le ballon est transmis. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ballon dispo. Rubio. Avantage terminé. Rubio mis au sol. Ballon dispo. Il embarque le ballon. Tentative de plaquage ratée. Fait circuler le ballon. Passe. Salawa qui est pris par la passe. C'est un rug. Jam. Il prend son temps pour cette libération. Il tente sa percée. C'est un rug. Ballon dispo. Libérer ce ballon maintenant. Jam qui joue avec Rubio.
Le ballon va être libéré par Kera. Plaquage trop mou pour arrêter Cédaro. Elle est dispo. Ballon, mais on y a est une sur faute, l'avantage. On va jouer l'avantage. Il fait une passe. Baka qui se fait plaquer. Ballon dispo. Lancement de jeu par le demi de Mélie. Bien défendu de la part de Coleman. Elle est dispo. Libération côté gauche. Cédaro trouve Jam. Agère à l'origine de ce ruck. Cédaro à la main. Cédaro mieux sauf par Nel. Ballon dispo. Il est arrêté. Elle est dispo. Permet à la ligne de se réorganiser. Ils sont bien organisés pour stopper l'avancée. Plaquage manqué. Fouissac avec Jam. L'attaque d'Ager ne parvient pas à progresser à cause de ce qui est toujours un avantage. Elle est dispo. Lancement de la ligne offensive côté gauche. Kera réorganise sa ligne avant de libérer. C'est le plaquage dont ils avaient besoin hein, pour ne pas. L'arbitre laisse jouer l'avantage. L'attaquage décisif. Il était elle primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Et c'est un essai. La transformation maintenant pour 2 points de plus. Le ballon est parti un petit peu trop sur la gauche. La récupération de Tolo. Il y avait un trou dans la défense, il l'a pris. Attention, ça va être un rush. Elle est dispo. Kera qui va pouvoir lancer le jeu. Kera, Kera qui inscrit cet essai. Vingtième tentative de coup de pied pour le botteur McIntyre. Et c'est passé entre les perches. Bien capté, Nicolas. Ça, c'est bien joué de la part de Nicolas. Vakar, bien pris. Ballon dispo. Fouissac tente de partir avec le ballon. Il est arrêté. Il transmet son ballon. Un beau décalage sur le côté. Le ballon est sorti hors des limites du terrain en ballon mort.
Capté par Vaca. La défense est à la rue, il y a un trou. Au contest pour ce ballon. Ballon dispo. C'est joué par Kera. Elle est dispo. Qui a du mal à sortir pour Fouissac. Ryan qui s'en sort. Ça va être un contest. Ballon dispo. Joué à la main par Rubio. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Et c'est le 21e essai dans ce match pour Cédaro. McIntyre pour transformer l'essai. Transformation qui ajoute 2 points au score d'Agen. Plaqué. Bref pour Agen. Ballon dispo. Ryan pour libérer sur sa droite. Ballon dispo. Ça décide de jouer côté gauche. Ils doivent jouer le ballon s'ils ne veulent pas être sanctionnés par l'arbitre. Qui est plaqué. Avantage annoncé par l'arbitre. Elle est dispo. L'arbitre décide de laisser l'avantage pour. Elle n'attend plus que la sortie du ballon. Il fait une passe. L'avantage est terminé. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Tentative de plaquage ratée. Et c'est un rock. Kera qui vient poser la main sur ce ballon. Kera qui s'en sort. Kera qui se fait plaquer. Elle est dispo. Ça décide de jouer côté droit. Plaquage manqué. C'est un plaquage. Elle le ballon est dispo. Libéré par Cédaro. Magnifique plaquage. Ballon, ballon dispo. Qui devrait sortir. Ballon ramassé. Tentative de plaquage. Il faut venir au soutien. Ballon dispo. Un plaquage qui ne donne rien. Ils vont contester ce ballon. Ballon dispo. Ballon extrait par Kera. Elle est dispo. L'arbitre laisse jouer. Plaquage manqué. Avantage terminé. Un bloc annoncé par l'arbitre. Ballon dispo. Il y a plus beaucoup de soutien. Elle on n'attend plus que la sortie du ballon. Kera a envoyé ce ballon sur la droite. Elle est faut dispo. Venir libérer ce ballon maintenant. Il passe le ballon. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Ballon dispo. Qui a du mal à sortir pour Kera. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper. Et oui, il s'est laissé. McIntyre à la tentative de transformation. Que c'est mal frappé, manque de puissance sur ce coup de pied. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps. Medge à la réception. Il met tout le rideau défensif dans le vent. Il s'échappe. Il a su bien profiter. Et voilà le
23e essai. C'est maintenant à la 40e minute de jeu. Et le moteur qui se met en place pour tenter de marquer deux points supplémentaires. Allez, c'est transformé. 100 à 10. Et c'est la mi-temps.
de sifflet qui marque le début de la seconde mi-temps. Il passe la balle. Toulon trouve la touche. Beau plaquage. Prise de balle assurée par Burger. Bon lancer de Burger. Terra, il vient poser la main sur ce ballon. Rubio avec Jam. Vaca parvient à libérer la balle malgré la belle course de Ryan. Plaquage réussi. Il fait un point de fixation. Ballon ramassé. Il a pris l'intervalle. Il y va tout seul. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Côté gauche, Rubio avec McIntyre. Magnifiquement défendu. Bonne défense. Avantage. Burger en bataille dans ce ruck. Il fin part avec avantage. Le ballon. Plaquage trop mou pour arrêter Rubio. Il y a avantage en cours pour Kera à la distribution du jeu. Il est au sol, il va falloir libérer. Ballon du solo. Felipe Ono. Tentative de plaquage ratée. Agen à l'origine de ce ruck. Libération un avantage sur cette action. Un contest, il faut du soutien pour le contest. Il la joue à la main, vers la gauche. Tentative de plaquage. Ruck pour Agen. Ballon dispo. Lance on est sur l'avantage. L'avantage. Fin de l'avantage. Ils parviennent. Il a vu l'intervalle. Ryan va assurer 5 points minimum grâce à cet essai. McIntyre, le botteur, va tenter de transformer cet essai. Et il trouve le chemin des perches. 100-10 pour l'équipe d'Agen. Ballon capté. Pression stoppée du pack d'Agen. Avantage annoncé par l'arbitre. Ça vient pour libérer ce ballon. Ballon bien capté. Bien défendu de la part de Jam. Jam réorganise sa ligne avant de libérer. Il accélère le long de la touche. Quel essai!
Allez, il y a deux points de plus à prendre sur cette transformation. Je rappelle, 100 à 10 pour le moment entre les deux équipes. Transformation. Salawa à la réception. Au contest pour ce ballon. Ballon Goldman dispo. Avantage. L'avantage sur cette action. Un rock annoncé par la rue. Ballon dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Attention, ça va être un rock. Kera, il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Ah, c'est un ballon qui va sortir de l'embute. Réception propre du ballon. Oh, il est mis au sol, il va falloir libérer. Elle est McIntyre réorganise sa ligne avant de libérer. La passe. Et c'est... tentative de transformation dans ce match avec McIntyre. McIntyre, ça passe, deux points de plus pour son équipe. Réussi. Il faut venir vite déblayer ce ballon. À droite, Rubio cherche Salawa. Salawa plaqué. Un joueur de plus dans le rush. Elle le est ballon dispo. Qui devrait sortir. Et il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Ça va se consommer. Elle est dispo. C'est libéré côté gauche. Plaque. Ballon dispo. Ryan va passer le ballon vers sa droite. Au plaquage. Un ruck à disputer. Ballon dispo. Ballon libéré correctement sur la gauche. Bonne défense. Ils vont contester ce ballon. Elle est dispo. Il tente de la jouer. À grand coup d'épaule, la rentrée dans le ruck de Coleman. Un plaquage qui ne donne rien. Il peut venir au soutien. Elle est dispo. Fait circuler le ballon. Le ballon est transmis. Il fait un point de fixation. Ballon dispo. La balle circule bien. Et c'est un ruck. Ballon dispo. Pour libérer ce ballon, il passe le ballon à la main, vers la droite. Magnifique plaquage. Ballon dispo. Libérer ce ballon maintenant. Avantage. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Il est arrêté. Elle est dispo. Il vient poser on l'arbitre est sur l'avantage. Laisse jouer. C'est un plaquage. Attention, plaquage cathédral. Carton jaune. Passe. Plaquage trop mou pour arrêter Ryan.
Et le voilà. Le voilà, le 27e essai d'Agen. Et voyons maintenant cette transformation. C'est dedans ! Il a été bon sur ce coup de pied placé. Capté par Vaca. Vaca qui s'échappe, qui s'arrache et qui sprint. Elle est dispo. Il y a avantage en cours pour McIntyre. Bien pris. Ballon dispo. Il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Le jeu de passe. L'avantage est terminé. Passe son ballon. Il y a beaucoup de soutien. Ballon dispo. Fouissac qui part avec la balle. Fouissac qui s'en sort. Plaquage manqué. Bien plaqué. Coleman en bataille dans ce ruck. Elle est dispo. Ballon. Kera. Kera qui donne à Cédaro. C'est un ruck. Ballon Kera qui prend son temps pour ce qui est faute. Mais avantage terminé. L'avantage. Ballon dispo. Felipeno attend que ce ballon sorte du ruck. Attention, ça va être un ruck. Elle est dispo. Ah, la passe ratée. Bien plaqué. La tentative de plaquage de Kera qui ne donne rien. Ballon qui a du mal à sortir pour Cédaro. Un plaquage qui ne donne rien. Agen à l'origine de ce ruck. Il va la jouer. C'est un ruck. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Le plaquage de Coleman. Et il ne parvient pas à arrêter le porteur. Kera, la passe. Plaquage manqué. Avantage terminé. C'est un ruck pour Agen. Il embarque le ballon. Elle on n'attend plus que la sortie du ballon. Kera va jouer à la main sur sa gauche. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Avantage. On laisse l'avantage. Voyons. Ballon dispo. Ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Un coup de pied pour envoyer le ballon. Plaquage, la prise d'intervalle par McIntyre. Kera joue à la main sur sa droite. D'Agen qui n'avance pas, bien contré par le toujours un avantage. Libération Kera. Avantage terminé. Tentative de plaquage. Il est parti comme une fusée à travers la défense. Il l'a fait. Et c'est de Fouissac.
Transformation à suivre. McIntyre, ouais, c'est bien négocié. 100 à 10. Jam qui capte ce ballon aérien. Jam mis au sol. Ballon dispo. Qui vient poser la main sur ce ballon. McIntyre fait circuler le ballon. Salawa qui se fait plaquer. Elle est Kera, il prend son temps pour cette libération. On est sur l'avantage. C'est l'avantage pour... Il y a du soutien avec l'arrivée de Ryan. Bien plaqué par Coleman. Ballon dispo. Transmission de la balle. Bosch qui déchire le rideau adverse. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ballon passé à la main côté droit d'Agen. Et c'est un ruck. Terra, il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. C'est le plaquage dont vous avez besoin hein, pour ne pas prendre. Décalé sur la gauche dans les bras de Wissak. Il y a plus beaucoup de soutien. Elle est dispo. Il va venir libérer ce ballon maintenant. Ballon capté par Salawa. Plaquage manqué. Et il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Ryan extrait ce ballon. Au contest pour ballon ce ballon. Dispo. C'est sorti avec un ballon pour le demi de mêlée. La défense qui bloque la progression d'Agen. Il y a une faute, mais on va ballon jouer dispo. L'avantage. Philippe Ono qui décide de jouer l'avantage côté est terminé. Ryan. Ballon dispo. Bosch qui s'en sort. Ballon dispo. Ils ont un avantage sur cette action. Belle défense collective qui stoppe l'avancée. L'avantage est terminé. Fouissac qui casse le plaquage. Fouissac plante cet essai. Et ce sera donc la tentative de transformation de la part de McIntyre. Oui, impeccable, impeccable. 100 à 10. Plaquage manqué. Il prend le trou. Il est arrêté. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Il va contester ce ballon. Ballon bien plaqué. Rubio tente de partir avec le ballon. Elle est dispo. Fouissac. Il crée un point de fixation. Elle le est ballon dispo. Qui devra avantage. Laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Coleman trouve la touche. Medge à la remise en jeu à l'occasion de cette touche à 7.
bien capté par Berger. Il a été bon sur ce duel. Un bloc annoncé par l'arbitre. Ballon dispo. Réorganise sa ligne avant de libérer. Bien plaqué. Elle est dispo. McIntyre. Joué à la main. Il est passé. Un plaquage qui ne donne rien. Ça va être un contest. Ballon dispo. Ballon. Kera. Plaquage réussi. Elle on est dispo. Plus que la sortie du ballon. Il passe le ballon. Et le plaquage de Coleman. Et il ne parvient pas à arrêter elle le porteur dispo. Du ballon. Ballon joué par Cédaro. Il est là, à la réception. Il peut venir au soutien. Un joueur de plus dans le rush. Ballon dispo. Le demi de mêlée à la libération du ballon. Kera pour venir mettre cet essai. Oui, il y a essai. Pour transformer l'essai, place au botteur McIntyre. Impeccablement entre les poteaux. C'est un plaquage. Ça va être un contest. Ballon dispo. Le demi de mêlée à la libération du ballon. Elle le ballon va être libéré par Fouissac. Ça peut aller au bout avec cette belle course de Fouissac. Fouissac mis au sol. Ballon dispo. Le ballon le libérer pour Kera. Jouet. Avantage annoncé par l'arbitre. Fin de l'avantage. Bonne défense. Faut du soutien ballon pour dispo. Le contest. Et c'est un ruck. Elle le ballon va dispo. Être libéré par Fouissac. La tentative de plaquage de Colmy. Il elle ne donne rien. La passe à droite pour Fouissac. Il tente la percée. C'est le plaquage dont vous avez besoin. Oui, magnifique essai signé. Fouissac. La transformation à suivre de McIntyre. McIntyre, toujours aussi précis, qui va chercher les deux points. Récupération de Vaca. Tentative de plaque. Il a pris l'intervalle. Il y va tout seul. Au plaquage. Ballon dispo. Il devrait sortir. Jam tente de partir avec le ballon. Pour Agen. Ballon dispo. Libération. Ça joue. Laisse jouer l'avantage. Avantage terminé. Kera. L'arbitre laisse jouer. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper. Il veut toujours un avantage. Il fait une passe. Quelle superbe défense ballon de dispo. Berger. Il s'en est fallu de peu. L'avantage est terminé. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté.
Elle est dispo. Pour libérer ce ballon. On est sur l'avantage. On va jouer l'avantage. Un ruck à disputer. Il faut venir libérer ce ballon maintenant. Et voilà le 32e essai. C'est maintenant à la 52e minute de jeu. C'est normal, il est pris par l'arbitre, il va être obligé de laisser ses partenaires pendant 10 minutes. McIntyre avec un coup de pied qui peut aller chercher les deux points de la transformation. C'est beauté et non, ça va passer à droite. On restera avec un score de 100 à 10. Tolo qui gagne ce contest aérien. Plaquage manqué. Un ruck annoncé par la ballon dispo. Ballon jouable pour le demi de mêlée. Plaquage trop mou pour arrêter Kera. Attention, le plaquage haut sur Kera. Le jeu de passe. Stoppé. On dirait que l'avancée d'Agen est mise en échec par une arbitre qui décide de laisser l'avantage pour McIntyre. Extrait ce ballon. C'est un ruck. Libérer ce ballon. Philippe Onou. Nel rate son plaquage. On n'attend plus que la sortie du ballon. Il embarque le ballon. Oula, attention, plaquage haut. Agen à l'origine de ce ruck. C'est joué par Bosch. Progression stoppée du pack d'Agen. Il laisse jouer l'avantage. Ballon dispo. Kera qui libère ce ballon côté droit. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté. Un bon décalage sur le côté. Et il aplatit le ballon dans l'embut. On va suivre le coup de pied de transformation. McIntyre, c'est entre les perches. 100 à 10 en faveur d'Agen. Il est dessous, impeccable. Tentative de plaquage ratée. Oh, quel plaquage haut. Attention, ça va être ballon dispo. Vaca pour une passe côté gauche. Bien défendu de la part de Coleman. Elle est dispo. Ballon dans la main du demi-mêlée. Elle est dispo. Il tente de la jouer. Tentative de plaquage. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ballon dispo. Il y a avantage en cours pour avantage terrain. Magnifique plaquage. Ballon dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser.
Vieira qui se fait plaquer. Ballon ramassé. Plaquage manqué. Un plaquage qui ne donne rien. Il faut venir au soutien. C'est jouable. Avantage jouer. Terminé. Plaquage manqué. McIntyre qui s'en sort. Il faut venir vite déplier ce ballon. Passe médiocre de Ryan. Il va falloir qu'il fasse attention à ses passes ratées. Il s'échappe. Il a su bien profiter de l'intervalle. Elle est dispo. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Kera qui s'échappe. Kera pour venir mettre cet essai. Oui, il y a essai. Et nous allons retrouver à la transformation McIntyre. Et il enquille. Plaquage rate. Il est parti comme une fusée à travers la défense. Ça va se consommer pour la rencontre. Ryan qui part avec la balle. Il prend le trou. Rut pour Ajer. Kera à la distribution du jeu. Kera plaqué. Ballon dispo. L'arbitre laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Plaquage trop mou pour arrêter Jam. Il fait un point de fixation. Avantage annoncé par l'arbitre. Ils vont contester ce ballon. Ballon dispo. Il va la jouer. Tentative de plaquage. Il se remet sur ses appuis. Ils ont un avantage sur cette action. Au conteste pour ce ballon. Ballon dispo. Mauvaise passe. Quelle superbe défense de Coleman. Il s'en est fallu de peu. Un plaquage qui ne donne rien. Fouillissac. Fouillissac qui inscrit cet essai. McIntyre à la transformation. C'est donc un ballon entre les poteaux. Plaquage manqué. Kera, bien pris. Elle est dispo. Passe à la main sur le côté gauche. Daja. Transmission de la balle. Plaquage manqué. Beaucoup de soutien. Elle est dispo. Avantage. Toujours un avantage. Fouissac. L'avantage est terminé. Fouissac. Jam avec Cédaro. Ça va être une conteste. Ballon dispo. Il part avec le ballon. Bonne défense. C'est un plaquage. Kera, il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Plaquage manqué. Plaquage trop mou pour arrêter Kera. Vaca qui vient par l'arbitre laisse jouer l'avantage.
Et ça finit dans ses bras. Ballon capté par Tolo. Plaquage manqué. L'arbitre signale un premier arrêt. Tentative de plaquage. Toujours en avantage. Elle est dispo. Libération côté gauche. Kera. Fin d'avantage. McIntyre. Il est au sol. Il va falloir libérer. Avantage. Kera. L'avantage est terminé. Fouissac. Ajaï. Attention, il faut faire les bons choix. Et oui, l'essai est lié. L'essai de Fouissac. Transformation à suivre. Ça passe. Medge qui récupère ce ballon. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Ballon pris. Ballon pris par Filippono. Kera attend que ce ballon sorte du rec. Beau plaquage. Ballon dispo. Bien plaqué. Elle est dispo. Il va venir libérer ce ballon maintenant. Filippono libère ce ballon. Côté droit. Rubio pris au contact. Qui libère pour gauche. Elle la libération, Kera. La passe. Libère son ballon après le contact. Faut aller au large. C'est le plaquage dont vous avez besoin pour ne pas prendre l'eau. Ballon dispo. Le ballon libéré pour Filippono. Un plaquage qui ne donne rien. Et c'est un rec. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Il transmet son ballon. Ryan, qui parvient à libérer malgré le plaquage. Il est arrêté. Ballon dispo. Pour libérer ce ballon. Libération du ballon sur la droite. Tentative de plaquage ratée. Passe. Bien plaqué. Elle le ballon dispo. Qui devrait sortir. Plaquage manqué. Kera transmet à McIntyre. Ballon dispo. Plus que la sortie du ballon. Ballon extrait par Kera. Ballon dispo. Départ au sprint de Cedaro. Elle est dispo. Rubio à la main. Nel, bien pris. Vaca vient essayer de contester. C'est joué par Kera. Magnifique plaquage. Elle est McIntyre, il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. McIntyre, qui se fait plaquer par Berger. Joué à la main par Rubio. Recours à Genre. Elle est dispo. Lancement du jeu sur la droite. Fouissac, mis au sol. Ballon dispo. Filippono a bien joué ce ballon, côté gauche. C'est un rec pour ballon dispo. Il y a avantage en cours pour bien plaqué par Coleman. Ballon dispo. Ballon libéré correctement sur la gauche. La prise d'intervalle par McIntyre. Ballon dispo. Libération à droite vers Filippono. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage bien exécuté, rien à dire. Ballon dispo. Il tente de la jouer. C'est un rec. Elle est dispo. Filippono réorganise sa ligne avant de libérer. Le plaquage de Coleman. Cedaro qui capte. Et c'est mérité pour Cedaro.
Et le botteur qui se met en place pour tenter de marquer deux points supplémentaires. Oui, 100 à 10. Quelle précision de la part du buteur. Plaquage réussi. Elle est Fouissa, qui prend son temps pour cette libération. McIntyre, qui s'en sort. Ballon qui a du mal à sortir pour Ryan. Agir à l'origine de ce ruck. Il passe le ballon à la main. C'est un plaquage. Le ballon va être libéré par Cédaro. Plaquage réussi. Cédaro attend que ce ballon sorte du ruck. Il est arrêté. Elle est libérée. Ce ballon. Rubio. Ballon joué par Rubio. Plaquage manqué. Bien plaqué. Il faut venir au soutien. Ballon dispo. Il part avec le ballon. C'est bien organisé pour stopper l'avancée. Plaquage manqué. Plaquage trop mou pour arrêter Felipe Ono. Au plaquage. Ballon va être libéré par Kera. Il y avait un trou dans la défense. Il l'a pris. Coleman. Il vient au soutien. Elle on n'attend plus que la sortie du ballon. Capté par Salawa. Bien plaqué. Ballon dispo. Venir libérer ce ballon. Avantage. Laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent. Retour à la faire faute. Quelque chose de ce ballon. Le ballon va être conservé par l'équipe d'Agen. Bonne défense. Ça décide de jouer côté droit. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Kera va récupérer ce ballon en sortie de ruck. La balle circule bien. L'attaque d'Agen ne parvient pas à progresser. Ça joue, faute, mais elle on est va dispo. Jouer l'avantage. Ballon d'avantage. McIntyre. Bien défendu de la part de Coleman. Ballon dispo. Il faut joue. Laisse jouer. Le ballon est sorti hors des limites du terrain en ballon mort. Réception propre du ballon. Un plaquage qui nous donne un... Il est passé. Et c'est le 38e essai dans ce match pour Meg. Pour transformer l'essai, place au botteur McIntyre.
Et ça rentre. Tolo pour récupérer ce ballon. Attention, ça va être un rejou. Elle est dispo. C'est joué par Jam. Jam plaqué. Elle est dispo. Pour on est sur l'avantage. Sur cette action. Fouissa qui se fait plaquer. Ça décide, ça joue. Décide de laisser l'avantage pour... Magnifique ballon plaquage. Dispo. Libération côté avantage gauche. Terminé. Jam, c'est une belle relance qui déchire le rideau défensif avec McIntyre. Un plaquage décisif. Et c'est un essai. Et nous allons retrouver à la transformation McIntyre. Et il enquille. Il est dessous, impeccable. Tentative de plaquage. Ils vont contester ce ballon. Un ballon qui a du mal à sortir pour Rubio. Tentative de plaquage ratée. Elle est dispo. Pour libérer ce ballon. Et le ballon est dans les bras du... La défense est à la rue, il y a un trou. Un bloc annoncé ballon par l'arbitre. Ballon dispo. Il va la jouer. Il a vu l'intervalle. Il fait un point elle de fixation. Cédaro tente de partir avec le ballon. Cédaro mis au sol. Elle est dispo. C'est sorti avec un ballon pour le demi de mêlée. C'est un rug. Ballon dispo. Il embarque le ballon. Plaquage manqué. Et c'est un rug. Elle est dispo. Le ballon le libérer pour c'est jouable. McIntyre. Avantage terminé. Il met tout le rideau défensif dans le elle est dispo. Et organise sa ligne avant de libérer. Au contest pour ce ballon. Ballon dispo. Passe à la main sur le côté gauche d'Agen. C'est un rug pour ballon Agen. Dispo. Passe côté gauche pour Ryan. Ils vont contester ce ballon. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Plaquage manqué. Agen à l'origine ballon dispo. De ce c'est correctement libéré à droite. Quelle défense de Coleman. Ballon dispo. Il l'avantage passe le est terminé. À gauche pour Fuissac. Ballon, ballon dispo. Qui devrait sortir. Il accélère le long de la touche. La carte réussie. Ça va être un contest. Elle est dispo. Bosch au départ. Wow, magnifique. Bosch. Elle est dispo. Côté gauche, Kera avec McIntyre. Elle Kera est dispo. Il vient poser la main sur ce ballon. Et les soutiens qui arrivent rapidement autour du porteur de ballon. Jouer. On va jouer l'avantage. Fin de l'avantage. À la réception, capté par Burger. Burger, il se fait plaquer. Ballon dispo. Lancement de la ligne offensive, côté gauche. Ballon Jam. Dispo. Il prend son temps pour cette libération. Plaquage manqué. Il est parti comme une fusée à travers la défense.
pour venir au soutien. Guerra réorganise sa ligne avant de libérer. Bien plaqué. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. C'est un plaquage. Ballon dispo. Plus que la sortie du ballon. Medge extrait ce ballon. Il est arrêté. Elle est dispo. Avantage annoncé par l'arbitre. Tentative de plaquage ratée. Parvient à faire sa passe. L'avantage est terminé. Il est passé. Un plaquage qui ne donne rien. Fouillesac pour son 40e essai. Et ce sera donc la tentative de transformation de la part de McIntyre. C'est donc un ballon entre les poteaux. Vaca qui gagne ce contest aérien. Magnifique plaquage. Ballon dispo. Il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. La passe au contact pour Ryan. Plaqué. Bien plaqué. Beau plaquage. Un ballon dispo. Qui a du mal à sortir pour Kera. Gauche. La passe. Le ballon est transmis. Plaquage trop mou pour arrêter sa voix. Le ballon dispo. Qui devrait sortir, joué à la main par Ryan. Ballon dispo. Kera. Lancement de jeu par le demi de mêlée. Ruck pour Agen. Ballon dispo. C'est libéré côté gauche. Tentative de plaquage. Il se remet sur ses appuis ballon pour dispo. Contester le ballon. C'est Daro à la main. Elle est dispo. Il vient poser la main sur ce ballon. Attention, ça va être un ballon ruck. Dispo. On est toujours sur l'avantage. Bonne défense. On reviendra là. La cage est peut-être un petit peu haut là. Carton rouge. Plaquage manqué. McIntyre mis au sol. Elle est dispo. Ça joue. Laisse l'avantage. Voyons. L'avantage est terminé. À faire quelque chose de ce ballon. Elle est dispo. Ballon ramassé. Il y avait un trou dans la défense. Il l'a pris. Plaquage manqué. Et oui, c'est laissé. Allez, il y a 2 points de plus à prendre sur cette transformation. Je rappelle, 100-10 pour le moment entre les deux équipes. McIntyre. Ouais, il s'est bien négocié. 100-10. C'est un ballon impeccablement capté par Kera. Tentative de plaquage.
Kera qui s'en sort. Il crée un point de fixation. Ballon dispo. Ballon joué par Felipe Ono. Elle est dispo. Le ballon le libérer pour Medji. Beaucoup de soutien. Elle est dispo. Ballon ramassé. Placard réussi. Bosch trouve la touche. Burger lance et c'est bien capté par le sauteur. Bien plaqué. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Ballon dispo. Il va libérer ce ballon maintenant. Il va la jouer. Un bloc annoncé par l'arbitre. Ballon dispo. Ballon passé côté droit pour Ryan. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Elle est dispo. Kera distribue le jeu côté gauche. C'est un ballon run. Dispo. Il tente de la jouer. Il se remet sur ses ballon appuis dispo. Pour contester le ballon. Il embarque le ballon. Attention, ça va être un ballon dispo. Il part avec le ballon. Quel essai! McIntyre, le botteur, va tenter de transformer cet essai. McIntyre, toujours aussi précis, qui va chercher les deux points. Ballon bien capté. Quelle superbe défense de Nicolas. Le ballon va être libéré par Jam. Kera mis au sol. Bien plaqué. Le contest en puissance de Nel. Rubio qui part avec la balle. Coleman, plaque. Elle est dispo. Départ au sprint. Fouissard. Ballon dispo. Avantage. Un avantage sur cette avantage action. Terminé. Coleman, il a vu l'intervalle. Tentative de plaquage raté. Un joueur de plus dans le ballon jeu. Ballon dispo. L'arbitre laisse jouer. Avantage terminé. Un plaquage qui ne donne rien. C'est un rug pour elle est AGR. Dispo. C'est sorti avec un ballon pour le demi de but. Elle un est dispo. Qui devrait sortir. Il passe la balle. Quelle défense de Burger. Ballon dispo. Plaquage manqué. Ager à l'origine de son rug. Et le ballon est dans les bras. Il met tout le rideau défensif dans le jeu. Et le voilà. Le 43e essai de ce match. Alors voyons comment cette transformation va être ajustée par McIntyre.
Et c'est passé entre les perches. Cédaro plaqué. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Plaquage bien exécuté, rien à dire. Le demi de mêlée à la libération du ballon. Dagen qui n'avance pas. Bien contré. L'arbitre décide de laisser l'avantage pour Fouissa au départ de l'action. Elle est dispo. Avantage terminé. À la main. Il crée un point de fixation. Ballon dispo. Rubio à droite vers Ryan. Elle est Rubio, il prend son temps pour cette libération. Au placage. Elle va venir dispo. Libérer ce ballon maintenant. McIntyre tente de partir avec le ballon. Il est arrêté. Ballon Rubio, dispo. Il y a avantage en cours pour avantage placage terminé. Manqué. La défense est à la rue, il y a un trou. Pour le placage dont ils avaient besoin pour ne pas ballon prendre. Ballon dispo. Kera qui joue à droite avec Jam. La belle course de Jam. Un plaquage décisif. Elle est dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. C'est le plaquage dont vous avez besoin pour ne pas prendre l'eau. Ballon pris par Cédaro. Cédaro va assurer 5 points minimum grâce à cet essai. Et voyons maintenant cette transformation. C'est dedans. Il a été bon sur ce coup de pied placé. Bonne défense. Ballon dispo. Pour libérer ce ballon. Ballon extrait par Kera. Elle le ballon est dispo. Va être libéré par Rubio. Un plaquage qui ne donne rien. Il a pris l'intervalle. Il y va tout seul. Un plaquage. Aucun test pour ce ballon. Ballon dispo. Ballon joué par Cesaro. Magnifique plaquage. Peut-être un contest. Ballon dispo. Kera pour une passe côté gauche. Tentative de plaquage. Rec pour Agen. Ballon dispo. Ballon dans les mains du demi de mêlée, Kera. Elle est dispo. Départ au sprint de Fouissac. Ils doivent jouer le ballon s'ils ne veulent pas être sanctionnés par l'arbitre. Un dégagement en chandelle qui pourrait les faire souffler quelques secondes. La récupération de Vaca. Il faut venir au soutien. Elle on attend plus que la sortie du ballon. C'est Daro qui joue ce ballon à droite vers Fouissac. Fouissac qui se fait plaquer. Ballon dispo. C'est Daro qui décide de jouer côté gauche avec Rubio. Ils vont contester ce ballon. Elle est dispo. C'est Daro à gauche pour Vaca. Il a beaucoup de soutien. Ballon dispo. Ballon libéré correctement sur la gauche. La progression. Dagen stoppé par la défense. L'avantage annoncé par l'arbitre. Cédaro à la main. Un manque annoncé par l'arbitre. Elle est dispo. Passe à la main sur le côté gauche. Dagen. Et c'est un ruck. Un ballon qui a du mal à sortir pour Kera. Fin d'avantage. Il est au sol. Il va falloir libérer. Fouissac joue à la main sur sa droite. La prise d'intervalle par Raya. Ballon dispo. C'est dit avantage. Laisse jouer. Beaucoup de soutien. Ballon dispo. Il va la jouer. Fin de l'avantage. Va se consommer. Ballon dispo. Kera a envoyé ce ballon sur la droite. Elle la libération. Kera fait circuler le ballon. Plaquage manqué. Il s'échappe. Il a su bien ballon profiter dispo. De l'arbitre décide de laisser l'avantage. Fin de l'avantage. C'est le plaquage dont il veut. Attention, danger. Essai.
On va suivre le coup de pied de transformation. Ballon frappé, mais qui part trop à droite. Tentative de plaquage raté. C'est un retour. Elle est dispo. Kera à la distribution du jeu. Elle est dispo. Il part avec le ballon. Bonne défense. Ballon dispo. Le ballon est libéré pour Ryan. Plaquage réussi. Elle libéré est dispo. Ce ballon, Kera. Plaquage manqué. Il fait un point de fixation. Ballon il y a une dispo. Faute, mais on va jouer l'avantage. L'avantage est terminé. Kera qui s'en sort. Plaquage manqué. Ils ont contesté ce ballon. Ballon dispo. L'arbitre laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. L'avantage est terminé. Plaquage manqué. Il peut venir au soutien. Elle est dispo. Rubio, il part avec la balle. Ballon Kera dispo. Attend que ce ballon sorte du haut. La tentative de plaquage de Rubio qui ne donne rien. Bon plaquage. Il prend le trou. Il est arrêté. Il faut venir vite déblayer ce ballon. Ballon dispo. Il vient poser la main sur ce ballon. Tentative de plaquage ratée. Ballon récupéré. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Un plaquage ballon bien dispo. Exécuté, rien à dire. La passe sur la droite dans les bras de Ryan. La défense qui bloque la progression d'Agen. Au bien avantage en cours pour... Il embarque le ballon. Plaquage manqué. L'avantage est terminé. Tentative de plaquage. Qui est plaqué. Ça va être un contest. Elle est dispo. Ils ont un avantage sur cette action. Fin de l'avantage. Waouh, magnifique. Kera. Plaquage trop mou pour arrêter Kera. Un ballon dispo. Qui a du mal à sortir pour Cesaro. Elle est dispo. L'arbitre laisse jouer l'avantage. McIntyre. Avantage terminé. McIntyre qui casse le plaquage. Elle est dispo. On Ils est sur l'avantage. Pas d'avantage, on revient à la faute. Un plaquage qui ne donne rien. Magnifiquement défendu. Plaquage manqué. Il faut un avantage sur cette action. Dispo. Il y a une faute, mais on va jouer l'avantage. Bien plaqué. Ballon dispo. Pour libérer ce ballon. Lancement de jeu par le demi de Meli. Un ruck à disputer. Ballon dispo. L'avantage de est la terminé. Offensive, côté gauche. Elle le est ballon dispo. Qui devrait sortir. Avantage. Toujours un avantage. C'est un ruck. Elle Kera est dispo. Attend que ce ballon sorte du ruck. L'avantage est terminé. Kera qui s'en sort. Et c'est un ruck. Ballon dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Tentative de plaquage ratée. Tentative de plaquage. Ruck pour Agen. Il tente de la jouer. Agen à l'origine de ce ruck. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Avantage terminé. Plaquage trop mou pour arrêter Vosch. Ballon dispo. Il y a avantage en cours pour... Fin de l'avantage. Cesaro plante cet essai.
La transformation maintenant pour 2 points de plus. McIntyre, ça passe, 2 points de plus pour son équipe. Et ça finit dans ses bras. Un plaquage qui ne donne rien. Il est mis au sol, il va falloir libérer. McIntyre pour une passe côté gauche. Magnifique plaquage. Ballon, le ballon libéré pour Jam. Jam, mis au sol. C'est joué par Cesaro. Plaquage manqué. Cesaro se fait plaquer par Coleman. Ballon ramassé. Plaquage manqué. Un rock annoncé par la dispo. Il la joue à la main, vers la gauche. Attention, ça va être un rock. Bosch distribue le jeu côté gauche. Ça peut aller au bout avec cette belle course de Nicolas. C'est un plaquage. Kera qui vient poser la main sur ce ballon. Un plaquage décisif. Il était primordial de le stopper à ce moment précis. Plaquage bien exécuté, rien à dire. Rock pour Ager. Elle est dispo, c'est jouable. Laisse jouer. C'est le plaquage dont vous avez besoin hein, pour ne pas prendre l'eau. Ballon jouable. L'avantage est terminé. Oui, magnifique. Et c'est signé Kera. McIntyre à la tentative de transformation. Transformation. Ballon capté. Plaquage manqué. Il va contester ce ballon. Kera prend son temps pour cette libération. Kera plaqué. Ballon n'attend dispo. Plus que la sortie du ballon. Passe. Plaquage manqué. Au contest pour ce ballon. Dispo. Ça joue. Ballon passé à la main côté droit d'Agen. Ballon va être libéré par Kera. Kera qui se fait plaquer. Elle est dispo. Libération, Felipono. Fin d'avantage. Il faut venir au soutien. Elle est dispo. L'arbitre laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Elle est dispo. Ryan qui joue ce ballon à droite vers Bosch. Kera, il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Plaquage manqué. Et c'est un ruck. Kera réorganise sa ligne avant de libérer. Un ruck annoncé par l'arbitre. Ballon dispo. Kera qui s'échappe, qui s'arrache et qui sprint. Kera qui s'en sort. Il est au sol, il va falloir libérer. Joué à la main par Fuissac. C'est un rush. Ballon dispo. Il va récupérer ce ballon. L'arbitre. Et le voilà. Le voilà, le 48e. Et c'est Dagen.
La transformation à suivre de McIntyre. Transformation qui ajoute 2 points au score d'Agen. Et c'est sorti, ballon mort. Flexion. Ce sera donc une mêlée à 5 mètres, probablement l'occasion d'aller chercher un essai. Belle récupération du ballon par les avants d'Agen. C'est joué par Kera. Il a de l'espace sur le côté pour Kera. Kera est pris par Berger. Il embarque le ballon. Bien plaqué. Jam réorganise sa ligne avant de libérer. Il se remet sur ses appuis pour contester le ballon. Rubio extrait ce ballon. Ballon dispo. Il prend son temps pour cette libération. Ils se sont bien organisés pour stopper l'avancée. Bonne défense. Avantage annoncé par l'arbitre. Kera dans le placard. Fouissac. Passe au contact pour Jam. Ballon dispo. Qui permet à la ligne de se réorganiser. Bien plaqué par Berger. Elle on n'attend plus que la sortie du ballon. La balle circule bien. Nel qui met les gaz, qui passe. Ballon dispo. On va être libéré par. Ça décide de jouer côté gauche. Il met tout le rebond défensif dans le vent. Coleman pour transformer l'essai. Oui, impeccable, impeccable. 100 à 17. Ouais, c'est bien joué ça sur le côté. Elle est dispo. Ballon, Medjo. Le jeu de passe. Beaucoup de soutien. Elle est dispo. Joué à la main par Cédar. Ballon dispo. Pour libérer ce ballon. Et voilà au terme des 80 minutes. Il prend le trou. Bien plaqué. Ballon Kera dispo. Il vient poser la main sur ce ballon. Attention, ça va être un rush. Elle est dispo. L'arbitre décide de laisser l'avantage. Fin d'avantage. Le ballon devrait sortir. Il fait une passe. Un plaquage qui ne donne rien. Agen, à l'origine de ce run. Il part avec le ballon. Il accélère le long de la touche. C'est le plaquage dont ils avaient besoin pour ne pas prendre l'eau. Jouer. Fin d'avantage. Tentative de plaquage raté. Il fait un point de fixation. Ballon dispo. Libération côté gauche pour Jam. Quel essai.
49e tentative de transformation dans ce match avec McIntyre. Ça passe. Et voilà, c'est terminé. Victoire d'Agen. C'est une sacrée correction à laquelle nous avons pu assister au cours de ce match. Il n'y a qu'à regarder l'écart au score pour comprendre la différence de performance et de niveau entre ces deux équipes. Allez, fait Thomas, c'est une victoire écrasante avec un écart de score somme considérable, 100 à 17. Et cet écart est dû à la remarquable animation du jeu dont les joueurs ont su faire preuve sur le terrain. Eh bien, nous nous sommes régalés. Allez, ce soir, merci à tous, surtout merci à vous Thomas Lombard d'avoir vécu ce moment à mes côtés. C'était assurément un match à ne pas manquer. Merci et à bientôt. À très bientôt, bonne fin de soirée.